Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous sommes toujours dans l'anniversaire, j'ai pris Anna, oui, c'est fou. Anna, c'est fou. Non, on va essayer de voir si on peut la jouer correctement, en tout cas aussi bien que celle des précédents jeux, on va dire, précédentes parties. C'est vrai que ce personnage dans ce mode de jeu, dans le chaos jubilatoire, je précise, hein, on est dans le mode chaos jubilatoire de l'arcade. Moi, je ne suis pas ami avec eux. Oh, j'ai pas réussi. Et la partie recommence. A tout de suite. Oui, chers amis, donc on va essayer de reprendre Anna sur Route 66 cette fois-ci. Nous sommes bel et bien dans la partie. Je nettoie un petit peu les conneries que je fais. Hop, voilà. Parce que certains d'entre vous me demandaient si j'avais un hand spinner. J'en ai enfin un. Je cherchais un truc qui avait un petit peu de la gueule. J'ai trouvé. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. C'est quoi ce bordel? C'est mes lettres qui sont là. Ah oui, c'est mes lettres qui sont là. Ok, désolé pour ça. Voilà. J'ai mon hand spinner personnalisé maison, si je puis dire. Alors, pas vraiment maison ni personnalisé, mais vous voyez, un peu différent des autres. Crac, je sais pas où, c'est par là. Hop, voilà. Bon. J'en cherchais un peu différent, j'ai trouvé ce que je voulais. C'est parti, mon kiki! J'aime bien. Ah, c'est con, j'aime bien jouer Tracer aussi sur celle-ci. Sur cette map, c'est vraiment génial de jouer Tracer. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je me fais coacher, j'ai essayé de récupérer quelques mains, mais aussi, je n'ai pas parlé de ça, il y aurait apparemment assez prochainement un nouveau héros et une nouvelle map, basée sur le, on va appeler ça le background potentiellement de Winston, c'est-à-dire, donc Winston, c'est un singe génétiquement modifié, hein, si vous ne l'avez pas remarqué, sur la lune en l'occurrence. Et sur la base Horizon, donc Horizon, et donc beaucoup d'indices, hein, clairement, c'est même plus des indices à ce niveau-là, c'est carrément confirmé par Jeff, Monsieur Kaplan, on va dire, hein, que le prochain, en tout cas, il y aurait un héros qui arriverait, je cite, à l'horizon. Je suis mauvais. Merde, j'ai pas réussi, t'es débile! Hop, je l'ai eu. Faudrait un mec à ult, là ce serait cool. Il y a Gland avec nous, Gland Sgurké. On va ulter Gland. J'ai connu pire et j'en suis revenu. Ah mais t'es marrant, je suis tout seul là. Sinon, un petit peu de DPS, du vrai DPS, ce serait vraiment cool. Parce que j'ai pas l'impression que les kills soient faits avec deux kills. Je ne m'avoue pas vaincu aussi vite. Ok, en tout cas, c'est très très dur de gagner dans ce mode finalement. Tu devrais pouvoir la suivre, ouais. Oh.
Merde, je me suis envoyé la mienne contre moi. Et tu te rends compte? Et ils peuvent être à deux sur ma gueule sans que mes potes fassent quelque chose. Enfin bon, c'est triste quand même. Bon, ils ont ramené le point, c'est déjà ça. C'est quand même bien dégueulasse comme jeu. Comme mode de jeu, je veux pas dire, hein, mais... Ok. Ok. Quoi? Oh putain. Mes potes, ils font pas les kills. C'est stupide. C'est stupide, c'est stupide. Mais enfin bon, ce n'est pas grave. J'allais pas faire autant de slip que je devrais. Putain! Ah, mais alors là, là ça va pas, c'est l'hécatombe! C'est absolument l'hécatombe! Faut que j'ai le réflexe aussi d'aller choper la. Quand j'entends machin de la justice, là faut que j'entende. Faut que j'ai le réflexe d'aller slip la. La Pharah, pardon. Ok. Bon, c'est pas grave. Putain, mais où est-ce qu'il est, ce singe? Mais putain, mais dans un couloir, quoi! Oh la vache! C'est... l'horreur! Je ne m'avoue pas vaincu aussi vite. Ah, notre soldat a abandonné, j'avais pas remarqué. Je sais pas qui c'est qui a switch, soldat. Bon, j'y vais. Hop. Eh ben, je suis tout seul. Ok. Une figure et ça repart.
Il fait que ça. Ok. Ok. Désolé Winston, tu prenais toute la place dans mon cœur. Cette violence. C'est le Macri derrière qui m'a niqué. Allez, 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 allez. Une dernière volonté. Hop, on est à une minute, quelques mètres, c'est faisable. Mauvais là-dessus. Je suis mauvais. Tiens, bouffe. Ok. Allez. Il y a une tourelle. Allez, avance. Avance! 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 Oh merde! Alors ça c'est la pire des catastrophes. Ah merde. Moi je suis désolé, je me mets le point. Là, si vous le faites pas, vous êtes des nazes. Ah la vache, ce point. Ce point. Cette map, c'est dégueulasse qu'on l'ait pas eu. Oh là 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 là. Quelle horreur. Quelle horreur, chers amis, je suis dégoûté. Bon, bah la suite. Oui, chers amis, du coup, bon, on est en formation. On est sur Hollywood. J'ai bien envie de prendre
Rodog, son hook peut être violent. Et je pense aussi que son E peut lui sauver la vie plus d'une fois. On verra bien. On verra bien si ça vaut le coup ou pas. Il faudrait que je regarde précisément à quoi correspond. Je crois que c'est 150% d'ult, 150% de temps de recharge de truc. De compétences. Du coup, on verra bien. Sinon, il devrait y avoir Pharah aussi qui devrait être un petit peu OP. Mais j'ai pas envie de la jouer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jouer Pharah dans ce mode de jeu, pour selon moi, peut être une très mauvaise chose. Dans le sens où, comme vous serez tout le temps en vol, vous perdrez certaines mécaniques. Mais bon, c'est mon avis. Faudra aussi que je revoie la plupart de mes... Et apparemment, il y a un singe. J'ai été cancel. Oui, c'est vrai que je suis bête dans une méta. Dans une optique où il y aura que des... il y aura forcément une nana en face. C'est pas mon personnage. Je suis stupide. Je suis absolument stupide. Du coup, bah, Zarya. On retourne sur une Zarya classique, hein. C'est vrai que j'ai été absolument stupide là pour le coup. Oh, j'ai pas le droit de repop. Oh bah bien. Ça m'a pris une demi-heure pour repop. J'ai pas d'armes. Oh lolo 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 lolo. Ping. C'est quoi ce ping? Une dernière volonté. C'est quoi ce problème? Oui, non, mais avec un ping pareil, je peux pas jouer, hein. Mettons-nous d'accord sur notre désaccord. Mais est-ce que ce serait pas l'autre... Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça marchait très bien jusqu'à il y a quelques secondes. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Centre réseau. Modifier les paramètres. Crac. Crac. Ok. Ok, bon, on va retourner dans le... C'est pas grave. C'est pas grave. Se connecter. Tout fonctionne très très bien. Mais je me demande... On a pu voir à un moment. Comment s'appelle Symmetra sur une caisse en fait. Et je me demande si elle était pas sur un endroit glitchy. On l'a bien vu, ça faisait. Et selon moi, ça, c'est représentatif de ce que peut arriver, de genre de glitch qui peuvent arriver sur certains personnages comme Hanzo ou Genji grimpant au mur. Et en fait, le jeu ne sait plus s'ils sont sur le mur ou sur le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, je me demande si c'est pas un endroit un petit peu glitchy comme ça. Mais bon, on verra bien. Bon bah du coup, on sera à King's Row, chers amis. Tous ensemble. On pousse. Pardon. Je suis pas tout à fait d'accord avec le ange, mais bon. Pourquoi pas. King's Row en attaque. Question, est-ce que le tir de Fatal se charge plus vite? Je pose la question. Si c'est le cas, ce qui devrait, selon moi, l'être... De mémoire, on m'avait dit de baisser encore un peu au niveau de Fatal. Je suis à 8,50. Je descends à 6, on va bien voir. Ce n'est pas un jeu pour les enfants. Dis-moi ce que tu traites d'enfant. Mais la paix. Merci. On va bien voir, on va bien voir. Salut. Elle avait des nouvelles... oui, voilà. Salutations. Bonjour. Le combat commence dans 30 secondes.
C'est triste. Mes respects. Magnifique. Oh, exquis. Encore. Oh là là. C'était fait exprès, hein. C'est pour ça que je les ai mises. Non. Je sais ce que tu essayes de faire, mais non. Vache, c'est particulier avec cette... Me passez pas tous devant le nez. Oh la vache, mais ouais, je peux pas viser les deux, hein. Ah, l'avantage c'est que je peux. Merde, je pensais que ça allait se désactiver tout de suite. Il a même pas réussi à grimper au mur. Hein. Vache, c'est chaud. Parce qu'il se déplace beaucoup plus vite du coup. Voilà. Ah, ça c'est débile, Marcus. C'est chaud avec la nouvelle sensibilité. Putain. Putain, il prend si peu de dégâts. Oh. Je crois qu'il venait pour moi. Oh, what the fuck. Allez, vas-y, passe. Putain, mais elle est full charge, hein. J'ai l'impression de pas faire de dégâts, c'est chaud. Chaque fois, je me fais avoir comme une... Hop. Ok. Putain. Je suis pas du tout une menace, hein. Putain. Hop. Ok. Putain, je l'ai vu en plein milieu, je me suis dit c'est bon. Tu l'as chié. Alors là, voilà, donc il y a un bug. Il y a un bug, faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il y a un gros gros bug. Ah,
Putain. Visière tactique activée. Mais elle est buggée de la mort en fait, c'est ça le truc, c'est... Oh putain, mais... Allez, même pas. Hein. Il m'aime pas. Enfin bon. Suivez mon regard. Tu es dans ma ligne de mire. Putain, mais il me faudrait... Si j'avais une Mei avec nous... Vas-y, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Mais non. Mais non, mais va te faire foutre. Putain, et pousse-moi, t'as raison. Bah oui, bien sûr. Ce sera pour ma gueule. Ah là 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 là, je suis mauvais, je suis très mauvais. Donc on va passer sur autre chose. Vu que mon équipe veut pas jouer avec moi. La justice ne va pas se rendre toute seule. Vous voulez bien péter les choses qui sont. Allez, hop. Vous voulez bien la péter? Et butez-le! Putain, mais m'aide pas, mais mange, pardon, m'aide pas. Ah, j'aime pas ça. T'es trop tard. On n'a aucune synergie. Il nous aurait fallu une Mei dans l'équipe à un moment. J'aurais pu faire moult kills, mais c'est pas grave. Allez, salut les gens. Je rage encore. C'est dommage.